Fidèle au rendez-vous, la cigogne d'Alsace retrouve son nid et les paysages qui lui sont familiers. Haut perché sur son observatoire, elle domine un terroir riche et varié. Parmi les cultures traditionnelles de la basse Alsace, il en est une qui donne, comme la cigogne, un cachet tout particulier à la plaine, celle du houblon. Dans un triangle limité par Strasbourg, Haguenau et Vasselonne, se dressent en effet un peu partout d'étranges silhouettes, les houblonnières. Dans la région de Schwegouze, l'on trouve encore par-ci par-là d'anciennes installations où chaque pied de houblon est nanti de son poteau, se dressant verticalement vers le ciel. Non loin de là, dans la région de Pechelbronn, la conduite se fait sur des fils de fer obliques qui, lorsque le houblon est en pleine végétation, barrent l'horizon comme les rideaux de verdure. Mais l'Ackerland-Korsberg reste le fief incontesté du houblon. On y trouve, dans des cadres pittoresques, la plupart des houblonnières de la basse Alsace, couvrant une surface de plus de 1000 hectares. Femelle du houblon ou cône que la brasserie utilise pour donner à la bière ses deux qualités essentielles, le bouquet et l'amertume. Un cône se compose d'un court pédoncule prolongé par un axe en dents de scie portant de petites feuilles ou bractées. À la base des bractées se trouvent des glandes sécrétant la précieuse lupuline, matière résineuse d'un jaune brillant. C'est la richesse en lupuline qui conditionne la qualité du houblon. Or, c'est une production de qualité que visent avant tout les quelques 3000 planteurs de houblon de la région. Végétation rapide demande un sol bien pourvu en éléments fertilisants. La fumure de fond ou fumure organique est donnée sous forme de fumier de ferme bien décomposé ou de compost convenablement traité. Cette fumure organique est épandue durant l'hiver en couvrant l'ensemble de la houblonnière. Thank you.
pour conserver à la fumure organique toute sa valeur fertilisante et éviter en particulier les pertes d'azote, l'enfouissement doit se faire immédiatement après l'épandage. Une souche de houblon entièrement déterrée révèle de puissantes racines et une série de jeunes pousses qui ne demanderaient qu'à se développer. Mais pour éviter l'épuisement de la souche au début de la végétation, il convient de ne laisser sur chaque rejet que les yeux de base. On élimine les souches qui ne montreraient pas à la taille une section nette et saine. L'accès de la souche est facilité par un labour de déchaussage pratiqué entre les rangs. Sur les rangs, le travail est achevé à la houe. La taille se fait à l'aide d'une lame de faux solidement emmanchée et bien aiguisée. Opération terminée, la souche est rebutée à la main. Au bout d'une quinzaine de jours, si les conditions climatiques sont favorables, les jeunes pousses sont en pleine végétation. De toutes les tiges issues de la souche, on n'en conserve que deux, en les prenant vigoureuses, saines et bien équilibrées. Tous les autres rejets sont éliminés. On conseille à l'hectare 70 kg d'azote, 125 kg d'acide phosphorique et 90 kg de potasse. La fumure phosphopotassique et une partie de l'azote sont apportées au début du printemps. On utilise des engrais simples mélangés à la ferme ou des engrais dits complets en respectant l'équilibre indiqué. On épandra ainsi à l'hectare 150 kg d'ammonitrate à 20%, 750 kg de superphosphate à 16% et 230 kg de sylvinite double à 40%. Pendant toute la durée de la végétation,
l'ameublissement du sol doit être le souci constant de tout planteur averti. Par des façons superficielles, on détruira en même temps les mauvaises herbes, concurrents dangereux, qui absorbent une grande partie des éléments fertilisants et favorisent la propagation des maladies cryptogamiques. Les bourgeons axillaires doivent être éliminés pour permettre aux cônes se développant surtout dans les parties supérieures de profiter au maximum de la sève nourricière. La fumure minérale du début de printemps sera complétée par une deuxième fraction d'azote épandue peu avant la floraison. Une dose de 250 kg de nitrate à 16% semble indiquée dans la plupart des cas. Maladie provoquée par un champignon est l'ennemi le plus redoutable du houblon. Dès le début de la végétation, ce parasite apparaît sur les pousses, dites spiciformes, qu'il faut absolument détruire. Sur les feuilles développées, le mildiou se manifeste par des taches claires d'apparence huileuse. Sur la face inférieure des feuilles, l'on découvre le champignon sous la forme d'un feutrage noirâtre. À un stade plus évolué, les feuilles montrent des taches brun foncé. La chlorophylle est détruite, l'assimilation se fait mal et la croissance du houblon est gravement compromise. Colonies de pucerons peuvent endommager les plantations. Le cycle biologique compliqué de ce parasite fait intervenir des formes ailées et des formes sans ailes. Les colonies de pucerons ailées
apparaissent sur les extrémités des pousses et sur les feuilles à peine étalées. On peut les observer facilement à contre-jour. Les excréments de pucerons donnent à la feuille un aspect brillant, caractéristique. Ces excréments constituent un terrain favorable au développement d'un champignon d'aspect noir appelé fumagine. Les traitements se font avec des appareils à gros rendement et à forte pression. Pour les deux premières pulvérisations, on utilise des bouillies mixtes, efficaces à la fois contre le mildiou et les pucerons. Le mildiou se combat par l'application de produits cupriques, alors que les pucerons sont détruits par les esters phosphoriques. Le mélange de spécialités cupriques et d'esters phosphoriques se fait sans difficulté, à condition de bien homogénéiser le mélange. Par la suite, la lutte contre le sol mildiou se fera à l'aide de produits à base de cuivre. Les réservoirs des appareils à gros rendement renferment 200 à 300 litres de bouillie et il faut compter 3 quarts de litre de bouillie par pied quand le houblon est développé. Sur le terrain, on utilise une lance dont le jet est réglable par la poignée. L'application des produits se fait de haut en bas et les gouttelettes de bouillie finement pulvérisées viennent adhérer au feuillage qui sera ainsi préservé de la contamination. Les pulvérisations contre le mildiou en particulier doivent s'appliquer au moment critique de la végétation, à savoir l'apparition des rameaux, la formation des boutons floraux, la floraison, et la formation des cônes. Sur les cônes formés, la technique du traitement consiste à faire retomber la bouillie d'en haut sur la houblonnière. Thank you.
l'araignée rouge est un acarien invisible à l'œil nu, se développant à la base inférieure des feuilles par temps chaud. Les attaques de l'araignée rouge se manifestent d'abord par une légère décoloration du feuillage qui s'amplifie très rapidement. À la face inférieure, l'on trouve un feutrage sécrété par les parasites et protégeant les animaux et leurs œufs. Les traitements se font en utilisant des esters phosphoriques à dose plus forte. Les pulvérisations seront énergiques, copieuses et répétées. D'autres produits, dits systémiques, sont à l'étude. Plus efficaces, ils pourront remplacer les esters. La station d'avertissement agricole du département dispose d'un certain nombre de postes météorologiques relevant les précipitations, les températures et le degré hygrométrique de l'air. Il est ainsi possible de prévoir l'apparition des maladies telles que le mildiou qui exige des traitements préventifs. De ces postes, centralisés à Strasbourg, sont reportés sur des graphiques et interprétés. Les dates des traitements ainsi que la nature des produits à utiliser sont portées à la connaissance des planteurs de houblon par avertissement individuel ou collectif. Le service technique de la coopérative des planteurs de houblon d'Alsace organise des visites de houblonnières afin de faire connaître les parasites aux planteurs et de les inciter à recourir aux traitements les plus rationnels. La coopérative des planteurs de houblon d'Alsace est elle-même conseillée par l'Institut national de la recherche et en particulier la station d'amélioration des plantes de Dijon. Tous les ans, au moment de la cueillette, les spécialistes de ces stations apprécient la valeur du houblon sur le terrain en liaison étroite avec la direction des services agricoles et les planteurs intéressés. Procède aussi à la prise d'échantillons provenant de champs d'essai pour en déterminer les caractéristiques au point de vue de la qualité. Ces déterminations demandent beaucoup de soins et de minutie.
le houblon arrive à maturité début septembre. C'est à l'abondance des cônes, à la partie supérieure des houblonnières, que peut s'apprécier le rendement. Le houblon recherche, en effet, en fin de végétation, lumière et chaleur. Et les étés ensoleillés lui sont particulièrement favorables. Les guirlandes de houblon sont descendues le long des fils à l'aide de crochets fixés à un long manche. Le planteur ne manquera pas de venir apprécier la qualité de sa récolte en se basant surtout sur l'arôme dégagé par la lupuline. Le houblon est chargé au fur et à mesure pour être transporté à la ferme où s'effectue la cueillette. La cueillette du houblon est très exigeante en main-d'œuvre. Elle se fait soit au domicile du planteur, soit à façon au village. La séparation des cônes des lianes de houblon demande beaucoup d'habileté manuelle. Les cônes doivent en effet être cueillis isolément et ne porter qu'un pédoncule réduit. Une amélioration consiste à passer les cônes au tamis afin de séparer les bouquets qui subiront une deuxième cueillette. Chaque exploitation possède son séchoir individuel, généralement à feu direct. La chaleur est fournie par un brasero et l'air chaud passe à travers les étages superposés de houblon.
planteur doit suivre de très près la dessiccation du houblon et veiller à ce que la température ne dépasse pas 55 degrés. La durée du séchage est d'environ 7 heures pour chaque chargement. Quand le houblon est sec dans le tiroir inférieur, ce dernier est vidé. Une nouvelle charge de houblon tombe du tiroir immédiatement supérieur qui s'ouvre par des claires-voies. Le houblon sec est ensuite conservé en tas jusqu'à la mise en sac au moment de la livraison. Il reprend alors une partie de son humidité. Le stock de houblon est pour le planteur la juste récompense de ses efforts. La nouvelle touraille, mise au point par la Copoudal, permet un séchage plus rationnel. Le chauffage y est indirect. Les gaz de la combustion étant évacués par une cheminée latérale. Seul l'air chaud aspiré par un ventilateur à la partie supérieure passe par les étages successifs de houblon. Un répartiteur permet le passage régulier et uniforme de l'air chaud. Est mise en sac à la ferme par un système simple mais efficace. La coopérative des planteurs de houblon d'Alsace prend en charge et commercialise la plus grande partie des houblons produits. Grâce à ses installations modernes, elle permet une réception rapide, un conditionnement rationnel et une conservation par le froid bien étudiée. Les planteurs livrent leurs balles de houblon par les moyens de transport les plus variés, tracteurs, automobiles et attelages de chevaux, se succèdent sans interruption pendant une quinzaine de jours. C'est le moment de discuter technique et de comparer la qualité des différents lots livrés. Les nouveaux bâtiments de la Copoudal ont une grande capacité de stockage et des installations de soufrage ultra-modernes. À la réception, les houblons sont livrés suivant leur qualité, par comparaison avec des casiers tests, qui permettent de les classer en plusieurs catégories.
est l'occasion pour les techniciens de la Copoudal de donner des conseils pour améliorer la production. La différence des prix entre les qualités est du reste de nature à provoquer une vive émulation. Grâce aux efforts des planteurs, conseillés par les services officiels du ministère de l'Agriculture et les spécialistes de la Copoudal, les houblons fins d'Alsace s'exportent à l'heure actuelle dans le monde entier. Ce succès prouve bien que la qualité ouvre les débouchés. Dégustant nos bonnes bières d'Alsace, que vous penserez dorénavant aux efforts tenaces de nos planteurs de houblon, qui ont le souci de produire pour vous une matière première essentielle qui a porté bien au-delà de nos frontières la renommée de la brasserie alsacienne. Thank you.